les 10 méga transferts auxquels on va assister en 2022. Bonjour à tous les amis, c'est le sujet de cette vidéo. On l'avait fait l'an dernier, on a vu quand même pas mal de résultats positifs puisqu'on avait annoncé le départ de Lionel Messi. On s'était trompé sur quelques dossiers puisqu'on avait annoncé le départ de Kylian Mbappé. Cette année, on va essayer de faire un 10 sur 10. J'ai préparé ma liste avec pour moi les 10 plus gros transferts auxquels on va assister en 2022. Le mercato 2021 a été complètement dingue et je pense que le cru 2022 va être tout aussi exceptionnel. La vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du football, encore plus sur le mercato. Donc si vous voulez tout savoir sur les rumeurs transferts de votre club préféré, je vous invite à télécharger l'application. C'est le premier lien en description ou avec le QR code qui est juste à côté de ma tête. En 10e position, Matthijs de Ligt. C'était le capitaine de l'Ajax lors de la superbe épopée en Ligue des Champions. Il avait choisi un départ à la Juve plutôt qu'au Barça pour apprendre le métier de défenseur puisque oui, l'Italie est réputée pour former de très grands défenseurs. Sauf qu'aujourd'hui, la situation est compliquée. La Juve s'est qualifiée de justesse l'an passé en Ligue des Champions. Cette année, pour l'instant, elle n'est même pas dans le top 4. Une équipe qui est méconnaissable par son jeu, mais également par son ADN. Une équipe qui ne gagne plus. La Juve est associée à la victoire. Ça fait plusieurs temps maintenant que cette Juve déçoit. Et je pense que Matthijs de Ligt va demander son départ. D'ailleurs, Mino Raiola a déjà sondé quelques clubs. Les pistes les plus sérieuses sont évidemment le Barça avec la filiation hollandaise, mais je peux le voir également partir en Première Ligue, pourquoi pas du côté de Chelsea ou de Manchester City. En 9e position, j'ai mis Dembélé du Barça. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur son possible départ en fin de saison, comme quoi il ne prolongerait pas avec le club catalan parce que ce dernier demanderait une augmentation de salaire incroyable. On parle de 20 millions nets au Barça. Le Barça n'a pas les moyens d'offrir ce contrat à Dembélé puisqu'ils ont pour objectif de signer De Ligt, Haaland, etc. Et quand on connaît le goût de Dembélé pour l'argent, je pense que ce dernier va choisir cette deuxième option et va partir en Première Ligue, soit du côté de Manchester United, soit du côté de Newcastle si ce club se maintient. Bref, un départ de Dembélé en 2022 est plus que possible. En 8e position, c'est un joueur dont on parle très peu et qui est pourtant actuellement pour moi l'un des top 5 numéro 9 au monde. Je parle évidemment de Vlahovic du côté de la Fiorentina qui a égalé un record de Cristiano Ronaldo. C'est le nombre de buts sur une année civile en Serie A. Et je pense que c'est plus fort que le portugais puisque lui l'a réalisé avec la Fiorentina qui est un club qui est top 7, top 8 en Italie. Il n'avait pas les armes qu'avait Cristiano Ronaldo à l'époque avec la Juventus. Il a seulement 20 ans. C'est un profil un peu à la Christian Vieri pour tous ceux qui ont connu l'ancienne époque de la Serie A. Très costaud, bon jeu en pivot mais surtout très technique, capable de marquer sur coup franc. Il a une palette ultra complète. Beaucoup de clubs sont sur ce joueur. On parle d'Arsenal qui aurait fait une offre de 55 millions actuellement plus Torreira. On parle également du Barça en cas d'échec sur le dossier Haaland, mais on parle également de Tottenham avec Antonio Conte. Vlahovic sera un acteur majeur du Mercato 2022, sachant que ce dernier a un contrat qui se termine en 2023, comme De Ligt, et qui ne veut pas prolonger avec la Fiorentina. En 7e position, j'ai mis Paul Pogba. Il est en fin de contrat en juin 2022 avec Manchester United. Les Red Devils ne vont certainement pas se qualifier en Ligue des Champions. Il n'est pas dans les plans de Rangnick. Il est souvent blessé. Il n'est plus concerné par le projet de Manchester. Un départ est annoncé. Deux clubs sont sur lui. On parle du PSG, évidemment, parce que c'est un Français, c'est une star, c'est un champion du monde. Mais on parle également d'un retour à la Juve. Dites-moi où jouera Paul Pogba l'année prochaine. À la 6e place, Paulo Dybala, un joueur que j'adore mais qui malheureusement ces dernières années est beaucoup trop blessé. Son contrat lui aussi se termine en 2022 et pourtant personne n'en parle. Alors il est très attaché à la vieille dame, mais si la Juventus ne se qualifie pas en Ligue des Champions en fin de saison, pas sûr que l'Argentin reste du côté de Turin. Personnellement, je vois deux cibles potentielles. Je vois Tottenham et Manchester United. Dites-moi pareil où vous voyez Dybala jouer l'année prochaine en cas de départ.
À la cinquième place, j'ai mis Wirtz. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez tous. C'est le jeune crack qui joue à Leverkusen. Il est évalué à 70 millions d'euros. Et je le vois tout simplement être le successeur d'Erling Haaland du côté de Dortmund. Même si on sait de manière officielle que Manchester United est intéressé par son profil, il est encore très jeune et je le vois rester encore quelques années en Allemagne avant, pourquoi pas, d'aller découvrir d'autres championnats européens plus tard. Un petit gabarit, 1m76, mais c'est peut-être le numéro 9 allemand qui manquait à la Mannschaft depuis plusieurs années, voire générations. C'est vrai que l'Allemagne ne sort plus de grand numéro 9 depuis des années et je pense qu'elle tient en Wirtz le successeur d'Oliver Bierhoff, Gerd Müller, etc. À la quatrième place, je vois un départ de Lukaku après évidemment l'interview scandale qu'il a fait cette semaine, comme quoi il voulait retourner à l'Inter Milan, comme quoi il n'était pas content de son statut à Chelsea. Amende de 500 000 euros, grosse dispute avec Tuchel. Je ne le vois pas dans ces conditions continuer du côté des Blues. Peut-être que les supporters vont le prendre en grippe. Reste à savoir qui va pouvoir débourser plus de 100 millions d'euros et offrir 20 millions de salaires aux Belges. Mais j'ai du mal à le voir continuer. Certaines rumeurs l'annonçaient à Tottenham. J'ai du mal à croire que Chelsea va renforcer un rival direct à la qualification en Ligue des Champions. Je vois mal l'Inter pouvoir débourser 100 millions d'euros pour le rapatrier. Mais je pense que l'avenir de Lukaku du côté de Chelsea est très incertain après cette sortie, quand même très déplacée, faut le reconnaître, de Lukaku avec la presse italienne. Troisième place, c'est un risque que je prends, mais je vois Cristiano Ronaldo quitter Manchester seulement une année après son fameux comeback. Pourquoi ? Parce que Manchester United va avoir beaucoup de mal pour aller chercher cette quatrième place en Ligue des Champions. Ils ont encore perdu hier soir contre les Wolves. J'ai du mal à imaginer Ronaldo ne pas jouer la Champions League même à 37, même à 38 ans. On connaît l'ego du joueur, on sait qu'il va vouloir jouer cette compétition phare pour continuer à écrire sa légende. Maintenant, reste à savoir où il pourrait atterrir. Un retour en Espagne est à exclure. Un retour en Italie est à exclure également. Je ne le vois pas aller en Allemagne, à part le PSG. C'est compliqué, donc l'avenir de Ronaldo est très incertain. Il est un petit peu finalement coincé dans cette situation, car s'il quitte Manchester, il sera mal vu. S'il reste à Manchester, il jouera seulement la C3. On verra de quoi est fait le futur de Cristiano Ronaldo. À la deuxième place, c'est le kiki national, c'est Kylian Mbappé. On sait tous qu'il va quitter le PSG. Il va faire les grands titres de la presse espagnole cet été puisqu'il va atterrir au Real Madrid. Ça y est, maintenant, même les supporters parisiens ont enfin accepté le départ d'Mbappé. Quand je dis accepté, c'est qu'ils ont compris qu'il partirait en fin de saison. Parce que voilà, c'est fait. On parle d'un contrat déjà de 21 millions nets au Real Madrid sur 6 ans avec une prime à la signature de 40 millions qui sera annoncée en juin prochain. Évidemment, il ne sera pas annoncé avant la double confrontation. Mais voilà, ça sera l'un des dossiers phares de ce Mercato 2022. Un départ de Kylian Mbappé, peut-être le meilleur joueur de la planète actuellement, vers le Real Madrid, le meilleur club du monde. C'est obligatoire qu'on va en parler et que ça va faire beaucoup de bruit dans la presse football. Et enfin, pour moi, le plus gros dossier de ce Mercato 2022, c'est tout simplement le cyborg Erling Haaland. On sait qu'il va quitter Dortmund. Sa clause libératoire cet été est de 75 millions d'euros. Sa cote est évaluée à 150 millions d'euros. Autant vous dire que tous les cadors européens vont se jeter sur le Norvégien. Oui, mais ce dernier a déclaré à son entourage et lors de ses vacances à Marbella qu'il jouerait l'année prochaine en Espagne. Donc, pas de Manchester City, pas de Chelsea, pas de Manchester United. Bref, deux concurrents pour un joueur, Barça et Real Madrid. Alors avant de parler des deux clubs espagnols, moi je l'aurais vu du côté de Manchester City, d'où la miniature, parce que c'est le joueur qui manque à un collectif extraordinaire, son papa a joué là-bas. Je l'aurais bien vu jouer en Première Ligue, mais ce dernier préfère peut-être le soleil de l'Espagne à la pluie de l'Angleterre. Bref, maintenant entre le Barça et le Real, ça va être compliqué, ça va être une véritable guerre, puisque c'est certainement le meilleur attaquant de la prochaine décennie. Ça rappelle la bataille Real-Barça pour Neymar, et le Barça avait gagné cette bataille-là. Peut-être que Florentino va vouloir prendre sa revanche et va tout faire pour contrecarrer les plans de Laporta et du Barça. Financièrement, avantage pour le Real, mais est-ce qu'Mbappé et Haaland pourraient jouer la prochaine décennie ensemble? Ça, c'est une question qui est quand même très intéressante. Et voilà, la vidéo se termine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce top 10. Donnez-moi le vôtre dans les commentaires. Quels seront les gros transferts de cette année 2022? Avant de quitter la vidéo, un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. On active la cloche car de prochaines vidéos arrivent très rapidement. Ciao les amis!